Fidji, et LBDC2, balance une nouvelle fois sur le tournage et se dit déçu. Sur son compte Instagram, Fidji Ruiz a fait des révélations sur le tournage de la bataille des couples 2, et LBDC2, et fait savoir qu'elle serait déçue. La diffusion de la deuxième édition de la Villa des Cœurs Brisés, la bataille des couples, devrait se faire mi-août. Si certains fans attendent avec impatience la nouvelle saison de LBDC2, ce n'est pas le cas de certains candidats. En effet, la compagne de Dylan Thierry vient de prendre la parole sur son compte Instagram, notamment Fidji. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle semble très déçue du tournage. En effet, sur son compte, elle explique, la bataille des couples, qui va passer normalement mi-août je crois sur vos télévisions. PFFFF. Enfin je peux pas trop parler parce que voilà la diffusion n'est pas faite. Mais de la déception comme ne vais. En tout cas c'est un tournage qui m'aura appris beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses. Qui m'aura vraiment servi et ouah quoi. Du kiff comme de la merde clairement. Du kiff comme de la merde. La candidate de LBDC2 assure ensuite qu'elle ne repartirait jamais dans le programme. Genre là tu me dis tu retournes dans la bataille des couples avec les mêmes personnes pardon. Bref une expérience qui devait se faire. Qui a été faite. Remplie des rebondissements, c'est-à-dire que malgré toute la haine qu'il pouvait avoir envers nous, ben on est là quoi. Et LBDC2, un tournage éprouvant, ce n'est pas la première fois que Fidji se dit déçu du tournage de LBDC2. On est là, et puis on était là que ça vous plaise ou non. En effet, la compagne de Dylan Thierry s'exprimait déjà à ce sujet il y a plusieurs jours. Faisant notamment savoir que sans la présence de son boyfriend, elle aurait certainement lâché l'affaire avant la fin. Sur son compte Instagram, la candidate de LBDC2 expliquait, 2 mois de tournage très éprouvant et je ne vous cache pas que pour le moment je veux kiffer la vie avec lui. Avant tout et pour la suite on verra bien mais actuellement j'essaie de ne pas trop penser au tournage et ce sera juste à nous. Avec ses dernières déclarations, cela nous laisse penser que le tournage ne restera pas dans la mémoire de Fidji, bien au contraire. La jeune femme semble vouloir oublier très vite ce moment.